Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on a de la menthe poivrée. Tout ça, c'est de la menthe poivrée qui s'est très bien multipliée dans le bois broyé que j'avais ici. Et ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faudrait que j'essaye de faire de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et pour ça, il faut un distillateur, donc un alambic. Et comme il faut énormément de menthe poivrée pour faire un petit peu d'huile essentielle, un petit alambic en verre de laboratoire ne va pas suffire, et c'est pour ça que j'ai fabriqué un alambic en inox, mais qui fonctionne sur le même principe que les alambics en verre de laboratoire. On va commencer par récolter la menthe poivrée. Donc je vais essayer de la couper assez à ras, assez rase. Voilà, donc il faut que tout loge dans ce seau, sinon ça ne logera pas dans mon alambic parce qu'il est basé sur une cocotte minute, donc voilà, il n'y a pas énormément de place non plus. Donc on va voir ce que ça donne là si je coupe. Bon, la récolte elle a l'air d'aller assez vite, mais par contre le seau il va se remplir assez vite aussi. Il va probablement falloir broyer la menthe poivrée pour qu'elle loge dans le seau et dans l'alambic. Finalement, c'est quand même un seau très très bien rempli, très compactifié. Je sais pas si ça va loger en le compactifiant encore plus, peut-être. Bon, on va voir. Il va falloir que je le coupe en morceaux. Voici le distillateur que je vais utiliser. Donc, il y a la cocotte minute où on va avoir l'eau bouillante et les feuilles de menthe. Et puis ici, la montée. Ici, on aura un thermomètre et le refroidisseur ici. Alors, le refroidisseur, c'est fait comme sur les refroidisseurs de laboratoire. Donc on a un double tube en verre. Dans le tube intérieur, le fin, il y a les fumées qui passent, les vapeurs qui passent, et entre les deux tubes il va y avoir le liquide de refroidissement qui va passer, donc il va remplir l'espace entre les deux tubes. J'ai un raccord d'eau pour le refroidissement ici avec un robinet que je peux fermer plus ou moins, et la sortie du liquide de refroidissement ici. Tiens, d'ailleurs le joint là, il commence à craqueler. Ça c'est pas super ça. On essaie de couper ça en petits morceaux. Ça commence à avoir une sacrée bonne odeur, alors on va arrêter là. J'ai fait peut-être même pas la moitié de ce que j'avais récolté. On va voir déjà si ça loge. Et il faut pas trop tarder parce que ça commence déjà à s'évaporer là. Allez, donc là, désolé pour le bruit, il y a la pompe qui tourne. C'est parce qu'à chaque fois il faut la ramorcer, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est une petite pompe qui fait 0,5 bar en pression, qui marche en 12 volts. Voilà, c'est des petites pompes standards, pas très chères, à 20 euros je crois. Hop. Ah oui, en fait il n'y a vraiment pas beaucoup de place là-dedans. Bon, on va bien le compactifier. Hein. Écoutez. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Il y en a pas mal qui logent. Hein. Allez. J'ai réussi à faire loger tout le seau quasiment. Vous voyez, là je suis vraiment content. Maintenant il faut réussir à tout mettre. Faut mettre de l'eau. J'ai oublié de mettre de l'eau. Voilà, un demi-litre, ça devrait largement suffire. C'est même trop certainement. Bon, allez. Alors là, je refroidis l'eau avec des glaçons parce que l'huile essentielle, elle s'évapore même à température ambiante. Donc on va essayer de refroidir vraiment un maximum pour qu'elle condense. Voilà. Là, on commence à avoir vraiment un tube bien froid. On va peut-être réduire un peu combien il y a d'eau qui coule. Et là, je mets un verre en dessous ici. Il faut bien viser pour que ça coule bien dans le verre. Donc là, j'ajoute un petit thermomètre pour pouvoir voir la température qui fait à cet endroit-là, au niveau du coude. Et puis je vais allumer le gaz. On entend que ça commence à bouillir,
Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de liquide, ça chauffe assez vite. Et maintenant, il faut que ça arrive à traverser toute la menthe poivrée avant d'arriver ici, où je vais voir que la température commence à monter. Une fois qu'elle commencera à monter, je saurai qu'il y a de la vapeur qui arrive ici. Le tube est toujours bien froid. Donc là, la menthe poivrée qui est à l'intérieur, elle doit faire un peu un effet de plateau, c'est-à-dire qu'il y a la menthe poivrée, il y a le liquide qui est en bas qui s'évapore, qui va venir se condenser sur les feuilles, et puis redescendre, retomber, et puis réchauffer, etc. jusqu'à chauffer toute la menthe poivrée et emmener en premier les vapeurs qui s'évaporent en premier, donc c'est-à-dire les huiles essentielles. Donc c'est peut-être un bon phénomène. En tout cas, on peut essayer de l'utiliser à notre avantage. On est toujours à 30 degrés ici. Par contre, le couvercle commence à être vraiment chaud. On est à 45 maintenant. Ça monte. Alors ça monte par palier, ça s'arrête de monter, ça remonte. S'arrête de monter, ça remonte, on est à 50 et ça monte et ça monte. Donc là je vais baisser parce que c'est en train de monter vraiment. Là je commence à le sentir dans le tube. Là je commence à sentir la chaleur arriver ici. Donc là c'est vraiment le moment où il faut arrêter de chauffer. Alors là j'ai vraiment le feu au minimum. Ça continue de monter doucement. 70, ça s'arrête. Ah là je commence à le sentir. Et ça remonte. Alors là, j'essaie de vraiment baisser beaucoup. Alors là, on est toujours à 80. Là, on a vraiment une différence entre ici où c'est très chaud et ici où c'est très froid. Par contre, je trouve qu'il y a une petite odeur de chlorophylle que j'aime pas trop. Alors, je sais pas si ça sera dans l'huile essentielle aussi ou pas. Ah, et il y a les premières gouttes. Alors. Là on a des gouttes, mais je crois que c'est essentiellement de l'eau. Pour baisser la flamme. Voilà. Là on redescend, on est à 90 quasiment. Voilà, donc là on voit que ça goûte quand même beaucoup plus lentement qu'avant. Hein. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Là je vais perdre un peu de... huile essentielle si j'ouvre, mais je vais vous le montrer quand même. Normalement on va avoir un peu de vapeur. Alors, on voit un peu de vapeur et puis ça sent très très mentholé, hein. Ok, on est à 75 degrés. Donc après une première montée en température aux alentours de 90-95, là on redescend. Et ça fait donc moins de gouttes, mais ça va probablement contenir plus d'huile essentielle et moins d'eau si on distille doucement comme ça. Et ben voilà, on commence à avoir quand même un beau petit fond de verre. Et alors j'ai goûté une goutte et effectivement c'est assez riche en huile essentielle. Donc je sais pas la proportion. Oula, là on voit même. Oula, là on voit même qu'il y a des gouttes d'huile essentielle, on dirait. Ah non, c'est peut-être une bulle d'air juste. Bon, on va voir. Donc je sais pas combien il y a d'huile essentielle et combien il y a d'eau dans ce résultat, mais on va voir ça après. Alors je vais arrêter là parce que j'ai pas le temps, faut que je m'en aille. Mais donc ça a distillé pendant une heure à peu près et on voit qu'il y a deux couches dans le verre. Donc il y a la couche supérieure qui doit être l'huile essentielle. Alors probablement vous le voyez pas très bien. Alors avec la petite pipette là, je vais essayer de récupérer juste la couche supérieure. En fait là on voit que la couche elle s'arrête là. Donc je vais relâcher toute l'eau qu'il y a en dessous. Voilà. Ah, il y en a quand même, hein. Il y en a quand même pas mal là. Bon, mais je vais essayer de récupérer que l'huile essentielle. Voilà. Donc là, on a vraiment que l'huile essentielle. Hein. Et je la mets dans le petit bocal ici. Voilà.
Alors on va recommencer. Voilà, donc c'est ça la quantité d'huile essentielle que j'ai pu récupérer. Et là, c'est vraiment de l'huile essentielle pure. Alors je trouve qu'elle a une légère odeur de brûlé. C'est peut-être le long des parois de ma cocotte minute que la menthe poivrée elle brûle un peu parce que il fait trop chaud peut-être. Donc c'est peut-être l'inconvénient de mon système pour l'instant. On va redémonter, on va enlever la menthe qu'il y a dedans, on va regarder à quoi ça ressemble. Et puis demain je referai une nouvelle charge et cette fois j'essaierai de faire bouillir l'eau avant même de mettre la menthe. Un petit peu, histoire que ça chauffe plus vite après. Et puis qu'on puisse chauffer très très doucement, parce que je suis sûr qu'on va avoir un rendement supérieur en chauffant très doucement, très très peu. Et on aura une meilleure qualité aussi. Allez. Ah, donc là on voit quand même, elle est beaucoup moins verte déjà. On va la mettre dans le seau. Ouais, alors elle sent quand même moins fort hein, qu'avant. Ah ouais, j'en ai mis quand même pas mal. Hein. Et là on arrive au grillage. Bon, alors au fond il y a de l'eau. Marron. Donc, ça fait de la tisane de menthe. Donc là, je vais laisser comme ça jusqu'à demain. Voilà, donc comme j'ai dit, on fait bouillir l'eau avant de mettre la menthe. Donc ça va augmenter le temps de chauffe. Enfin non, ça va le diminuer. Voilà, donc là, l'eau elle bout. Donc j'éteins. Et je vais amorcer la pompe à eau pour refroidir. Et ensuite, je vais mettre la menthe et je vais couvrir. Alors Samuel, toi qui disais qu'il fallait une tonne de menthe pour faire quelques gouttes, que penses-tu de ça? On voit le film d'huile essentielle sur le dessus du verre. Je vais essayer de récupérer tout ça. Donc là, distillation lente. Donc le premier pot que j'ai fait, avec un tout petit fond d'huile essentielle. Le deuxième pot que j'ai fait avec un fond d'huile essentielle, donc il n'y en a pas plus en fait, il y en a même un peu moins ici. Alors que j'ai distillé plus longtemps, bon. Donc, je pensais en avoir un peu plus, mais c'est pas le cas. Et puis l'eau qui est venue avec les huiles essentielles, et donc elle sent aussi la menthe, hein, et elle a un aspect rafraîchissant quand on la met sur la peau par exemple, donc je me suis dit que je pouvais peut-être l'utiliser comme solution après rasage, par exemple, même si je me rase pas. En ce moment. Alors je voulais surtout comparer les odeurs des deux menthes là, parce que la première passe, la première que j'ai faite, je trouvais qu'elle sentait un peu le cramé, et la deuxième j'ai essayé de chauffer moins et plus doucement, et donc je voudrais comparer les deux. Bon, alors elle a clairement une odeur, c'est peut-être une odeur de chlorophylle aussi, un peu verte, alors je sais pas. Bon, moi je dirais que les deux ont cette caractéristique, donc ça ressemble pas à l'odeur d'huile essentielle du commerce. Bon, peut-être que la nouvelle est même pire. Ah non, non, c'est pas tout à fait la même quand même. Oui, si. Alors, effectivement, celle-ci elle a plus une odeur de cramé, celle-ci a plus une odeur de verre. Alors. Je vais prendre un peu là sur le bord. Non, j'en ai pas eu. Bon, en tout cas, elle est très rafraîchissante. Oui, non. Non, non, clairement, celle-ci a une odeur plus forte de cramé et celle-ci moins. Donc, bon, j'avais peut-être raison finalement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.